Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission de Covid-19. Ce soir, nous allons évoquer avec notre invité déjà en plateau, professeur Komi Adjo, professeur agrégé de pneumologie, ce thème, le Togo attend d'autres types de vaccins. Bonsoir professeur et merci d'honorer notre plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, on sait qu'à la première phase, bien sûr, de la vaccination au Togo, même avec la deuxième phase, on fait avec AstraZeneca, c'est bien ça? C'est bien ça. On attend d'autres vaccins, lesquels on veut avoir le cœur net ce soir. Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson ou Moderna, on ne sait pas trop. Quels sont ces types de vaccins qu'on attend? Oui, le Togo attend dans cette campagne de vaccination contre Covid-19 d'autres vaccins en dehors d'AstraZeneca. Très prochainement, probablement demain ou après-demain, on va recevoir un certain nombre de doses de Sinovac, un vaccin chinois, et dans le courant du mois de mai, selon les informations que nous avons reçues, on va avoir probablement encore de l'AstraZeneca. Et puis plus tard, là, on n'a pas trop de visibilité sur les dates, mais on recevra du vaccin Johnson & Johnson en quantité importante. Et très probablement également de vaccin Pfizer. OK. Voilà. Donc, disons que les principaux types de vaccins qui existent vont être administrés au Togo. On a celui Sinovac. Sinovac. On a Johnson & Johnson. Johnson. Et on a Pfizer. Pfizer. Voilà. Alors, comme on aime si bien le dire, c'est sur l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Qu'en est-il de... du premier, AstraZeneca, c'est fini comme ça avec ce vaccin-là? Annonce, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de personnes jusqu'à présent n'ont reçu que... Et comme vous le savez, la campagne actuelle est basée exclusivement sur le vaccin AstraZeneca. Et donc, on attend des doses supplémentaires au cours du mois de mai. De toute la façon, il faut que ceux qui ont reçu la première dose puissent recevoir une deuxième dose de ce vaccin-là. Et donc, il y a d'autres lots de ce vaccin-là qui sont attendus. Probablement, cela couvrira les besoins de ceux qui ont été vaccinés et il y en aura pour vacciner d'autres personnes très sûrement. Alors, on sait qu'avec AstraZeneca, on a vacciné au Togo, la première phase, 160 000 personnes, et la deuxième phase a débuté le lundi dernier, et ça continue. La question qui demeure, est-ce qu'on a la logistique qu'il faut aujourd'hui pour les vaccins Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer et BioNTech, d'autres là, qu'on attend dans les jours, sinon les heures qui viennent? Alors, le Sinovac est très facilement conservable. Hein. C'est un peu comme AstraZeneca, autour de 2, 3, 4 degrés. Donc, c'est comme tous les autres vaccins que le système de santé togolais a l'habitude d'utiliser. Et donc, le problème ne se pose pas fondamentalement, de même que Johnson & Johnson. Le problème... peut se poser effectivement avec le vaccin Pfizer où quand même il faut quand même au moins moins 70 degrés pour les conserver. C'est peut-être là qu'il faut il faudra réfléchir pour savoir où est-ce qu'il faut les envoyer. Très sûrement c'est des vaccins qu'on ne peut pas administrer en périphérie. Et voilà ce que je peux dire. Sinon, la logistique s'affine de jour au jour. Et je crois que d'ici là, les choses vont encore s'améliorer et permettront une administration sécurisée
surtout sécurisé de ces vaccins. Alors, quand on parle, bien sûr, de ces vaccins, il faut forcément évoquer ce point de la logistique. C'est pourquoi nous l'évoquions, bien sûr, dans cette émission. On a eu cette information selon laquelle, pour le compte de la première phase, les vaccins AstraZeneca ont atteint leur date de péremption, ce qui a fait qu'on a marqué une pause avant la relance de la deuxième phase pour pouvoir se procurer à nouveau de nouveaux vaccins afin de... C'est selon ces informations qu'on a entendues, qu'on a eues, celles-là, on veut avoir beaucoup plus de... Vous avez sûrement eu le communiqué du gouvernement dans ce sens. Mm. La pause qui a été observée était liée au besoin d'une restructuration de la stratégie. On s'était rendu compte que les centres de vaccination n'étaient pas très bien connus et accessibles à la population. Mmh. Et donc, il était important de redéployer les équipes à des endroits faciles d'accès, facilement reconnaissables. Et donc, cela a conduit donc, à marquer cette pause. Et la vaccination a encore repris depuis lundi et correctement au niveau des centres qui ont été identifiés. Donc, je ne crois pas que c'est une question de péremption qui a occasionné ce changement-là. Donc, en clair, il n'y a pas eu question de date de péremption. En clair, la vaccination se poursuit avec AstraZeneca aujourd'hui. Parfait. Voilà. Parce qu'il y a tellement de choses qui se racontent ça et là. Il faut qu'on éclaire la lanterne des uns et des autres sur ce point. Maintenant, avec Sinovac... On sait qu'avec AstraZeneca, il y avait eu tellement de débats. Sinovac est connu. Quelles sont les caractéristiques, bien sûr, de ce vaccin qu'on maîtrise très peu, hein, pour le moment, au Togo? Oui, c'est vrai. C'est un vaccin sur lequel, du moins, on n'a pas assez de recul. D'ailleurs, pour tous les vaccins, AstraZeneca, avec toutes les méfiances qu'on a eues, au Togo, on a commencé par quand même s'habituer à ce vaccin. On l'a vécu, on l'a eu, on a fait l'expérience de ses effets et on sait aujourd'hui que c'est un vaccin assez bien supporté, bien que parfois on peut avoir quelques effets gênants. Sinovac, on ne le connaît pas, oui. On ne le connaît pas très bien, mais c'est un vaccin qui a été élaboré sur le principe les plus anciens de fabrication de vaccins. Oui. On prend un micro-organisme et on le tue. C'est un vaccin complètement inactivé. Et ce n'est pas un vaccin qui utilise un vecteur viral, c'est-à-dire que on met le vaccin ou la partie qui va amener l'organisme à produire des armes, des anticorps. On le met dans un virus, c'est le cas de l'AstraZeneca. C'est un vaccin qu'on nous appelle le vaccin à vecteur viral. Ici, c'est le virus qui a été détruit, tué, mais ces particules, ces composants sont encore intactes et peuvent amener l'organisme à produire des anticorps. C'est le vaccin, c'est ce type de vaccin, c'est ce qui a été très longtemps utilisé. Mmh. Et évidemment, un vaccin, c'est un corps étranger qu'on introduit dans l'organisme. Il faut s'attendre à avoir quelques effets. Selon les données qu'on a, ce ne sont pas des effets trop différents de ce qu'on connaît en matière de vaccination. Mmh. Ce qui veut dire qu'avec Sinovac, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Hein? Pas spécialement. Ouais. Mais comme je l'ai dit, c'est un vaccin. Et donc, les maux de tête, les courbatures, un peu de fièvre, c'est des effets connus des vaccins. Donc, on les connaîtra aussi avec Sinovac. Mm. Et eh bien, j'espère que ça s'arrêtera qu'à ces effets-là. Et que quelques très rarissimes effets graves qu'on a, qu'on ne les aura pas. Mm. Et c'est des effets qu'on a un cas sur plusieurs dizaines de milliers de personnes vaccinées. Donc, espérons qu'on ne les aura pas. Johnson & Johnson,
qu'on aura en quantité suffisante, comme vous l'avez dit, sa particularité, ou bien sûr, enfin, les caractéristiques de... Johnson & Johnson est très proche, ça, du moins la technique utilisée dans son élaboration et la technique pour amener l'organisme à fabriquer d'anticorps est très similaire à l'AstraZeneca. Okay. Donc, c'est des vaccins qui utilisent la même technique. Et donc, c'est la substance qui va amener l'organisme à produire l'anticorps est cachée dans un virus qui a été affaibli. Et c'est le virus qui va le délivrer. Mmh. Et donc, similaire à AstraZeneca, est-ce que les effets sont superposables? C'est trop tôt pour le dire. Mais c'est un vaccin qui est efficace, c'est un vaccin qui est sécurisé. Un vaccin efficace et sécurisé. On a vu l'Agence européenne de la vaccination qui a mis du temps avant de valider, enfin, le terme, c'est homologué, je ne sais pas trop, hein, oui, ce vaccin-là dans l'espace européen, afin qu'on puisse commencer par vacciner avec. Oui, c'est... C'est complètement normal. Hein. Nous sommes dans une pandémie où les produits utilisés, du moins par rapport au vaccin, il s'agit de nouveaux produits et donc personne n'est pressé d'autoriser un trop grand nombre. Si on peut se contenter d'un seul produit qu'on semble, ou bien en lequel on semble avoir plus de confiance. De confiance, oui. C'est tant mieux. Maintenant, quand on est en difficulté, qu'on a besoin d'avoir d'autres produits, et bon, on sera obligé d'accepter, peut-être malgré nous, d'accepter. Quoi qu'il en soit, c'est de nouveaux produits sur lesquels on n'a pas assez de recul. Oui. Et pour cette raison-là, on est en droit, complètement en droit de se poser des questions, même si on a des données assez rassurantes. Et comme je l'ai déjà dit, les données sont rassurantes par rapport à ces produits-là. Et il s'agit de prudence, de routine ou de principe que ces pays-là appliquent quant à l'homologation, à l'autorisation d'utilisation de ces médicaments. Ok. Alors, il y a une question qui revient très souvent. On se dit, si ces vaccins arrivent, par exemple, au Togo, est-ce qu'il y a ces genres de démarches qui sont souvent menées dans ce sens-là, afin de s'assurer, parce que ce n'est pas parce que les autres ont dit que c'est bon que nous aussi, sans... Non, non. Quand vous utilisez un nouveau produit, il y a ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est tout un ensemble d'organisations, de stratégies pour identifier éventuellement des effets non signalés par le fabricant et pour se dire oui ou non, est-ce qu'on continue par utiliser ou est-ce qu'on arrête l'utilisation. Et donc, cette pharmacovigilance-là est en place dans notre pays et pour AstraZeneca, elle va être utilisée pour les autres vaccins, on collectera, on cherchera, on vérifiera les effets secondaires liés à ce vaccin. Et si on remarque évidemment qu'il y a trop d'effets secondaires gênants qui peuvent mettre en jeu la vie des gens, je crois que la décision qui s'impose sera prise. Voilà. On va parler maintenant du convoiement de ces vaccins-là. Bien avant, on parle d'abord de Pfizer et BioNTech, dont la conservation, il faut au moins une conservation de près de 70 degrés. Degrés. Voilà. La logistique au point pour pouvoir contenir. Le pays dispose, il y a des laboratoires dans le pays. Hein, oui. Moi, je travaille au CHU, je travaille avec. Un centre de référence en mycobactériologie. Et donc, dans ce centre-là, on dispose déjà, et que c'est déjà ancien, hein, ce n'est pas lié à COVID-19, mais on a déjà des frigidaires, des congélateurs qui arrivent à moins 100. Et donc, où on conservait déjà
des bactéries à cette température-là. Et donc, au pire des cas, on peut, cette vaccination va prendre quelques semaines, quelques mois. Au pire des cas, on peut mobiliser ces congélateurs qui existent déjà et qui peuvent servir. Mais je crois qu'il y a une équipe technique qui gère cet aspect-là depuis et qui dans le process, qui, vous savez, il y a ce genre de congélateurs existent, il y en a plusieurs sur le territoire, hein, et ne sont pas forcément utilisés pour ces besoins-là. Donc, j'ai déjà vu de nouveaux congélateurs achetés qui, pour remplacer ceux-là qui fonctionnent à moins 100 pour pouvoir être utilisés. Voilà quoi. Donc, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que, quand on aura ces vaccins qui ont des exigences de conservation assez particulières, qu'on puisse le faire. L'essentiel, c'est de ne pas les déployer trop loin et pour qu'on soit obligé de les déstocker sur un temps assez long. Voilà. Maintenant, Pfizer, on sait que non seulement la conservation, ça pose énormément de problèmes à travers le monde entier, pas seulement au Togo, mais l'autre problème, c'est le convoiement. Oui, c'est ce que je disais, que dans la stratégie, c'est, si, par exemple, je suis à Lomé ou je suis à Dapanville, je ne vais pas prendre le risque d'aller administrer ce vaccin-là au fin fond, quelque part où il faut 5 heures de route avant d'arriver et où on n'a pas la sécurité de... Non, c'est des vaccins qui vont être positionnés autour de ces congélateurs où donc il n'y aura pas de problème de conservation. Du moment où le vaccin, pour arriver au Togo, il n'y aura pas de problème, et c'est de pouvoir trouver, et ça, on a déjà ces congélateurs-là. La stratégie serait de ne pas chercher à aller les utiliser trop loin des lieux de conservation. Parfait. On va devoir marquer la toute première pause de cette émission. On revient dans la deuxième partie dans un instant.